Lève ta bouteille d'eau. Lève ta bouteille d'eau. Seigneur, quel est le mystère de l'eau? Je vous ai expliqué le matin. Sur la croix, Jésus-Christ, on a baissé son côté. Le sang est sorti avec l'eau. Deux choses, le sang et l'eau. C'est ça, n'est-ce pas? Le sang, c'était pour la rémission de nos péchés et la réconciliation entre nous et Dieu, le Père. L'eau, c'était pourquoi? Pourquoi l'eau est sortie d'où? Des côtes. La femme est venue des côtes de l'homme. Comme l'église de Jésus-Christ est venue de ses côtes. Cette eau qui a été libérée où l'église a été tirée de sa côte était pour laver son épouse, sa femme, son Ève, qui est l'église. That is the church. Donc c'est une eau pour laver les saletés de nos vies. So it's a water to clean the dirtiness of our lives. Lève ta bouteille. Lift up your bottle. Père, au nom souverain de Jésus, Father, in the sovereign name of que Jesus, l'eau qui a coulé de tes côtes may water that has entre dans chacune de ces bouteilles au nom précieux de Jésus. Every one of this water in the mighty name of Jesus. Ouvre la bouteille, tu ne bois pas. Open the bottle, don't drink. Le mystère de la croix. Fais que le mystère de la croix se revêle. Comme ces bouteilles sont ouvertes, je prie que le mystère et la puissance de l'eau qui a coulé sur ton flanc, sur la croix, se manifeste dans ces bouteilles au nom puissant de Jésus. Père, que ta gloire entre dans ces bouteilles au nom de Jésus. Que ta puissance entre dans ces bouteilles au nom de Jésus. Que ta force entre dans ces bouteilles dans le nom puissant de Jésus. Dis mon Père et mon Jésus, comme tu ouvres cette bouteille, que l'eau de ta côte entre dans ma bouteille par la foi au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que ce mystère est accompli au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Dis Amen trois fois et c'est scellé. Ferme ta bouteille d'eau. Nous allons voir ça jeudi. C'est pas maman. Moi jusqu'à présent, qu'est-ce qui l'eau coule sur moi. L'eau. Vous êtes enceinte. C'est quel mois? 7 mois 2 semaines. 7 mois 2 semaines. Quand l'eau coule, ça veut dire papa. Me dit que c'est la délivrance parce que quand vous avez commencé à prêcher, c'est là où l'eau a coulé jusqu'à présent. Je vais demander à mon ami qu'elle m'explique bien quand l'eau coule. Quand... Hein? Ça c'est perché. Mais elle a 7 mois, 2 semaines, c'est ça? Normalement, elle doit accoucher à quel mois? Est-ce qu'on accouche à 7 mois, 2 mois? Mommy est où? Mami, est-ce qu'une femme doit accoucher ma maman à 7 mois, 2 mois? Est-ce qu'on accouche à 7 mois, 2 mois? C'est prématuré. Deux fois accoucher à 8 mois. Donc, elle doit, vous voulez accoucher à combien de mois? How many mois? 9 mois. Vous voulez accoucher à 9 mois? Venez. Comme. Seigneur, j'arrête ce. On appelle ça coulement. Cet écoulement. Laissez-la passer. Allow her to pass. Venez, j'ai dit laissez-la passer. I say allow her to pass. Asseyez-vous sur ma chaise là-bas. Go and sit down on my table. Levez-vous. Asseyez-vous. Sit down. Levez-vous. Stand. Asseyez-vous. Sit down. Levez-vous. Stand. Allez vérifier aux toilettes. Un protocole accompagné là, on l'attend. Va avec. Allez aux toilettes. On l'attend, hein. Personne ne bouge, on l'attend. Allez aux toilettes vérifier. Go to the toilet and check. Il n'y a plus d'impossibilité à
Avec toi, il n'y a plus d'impossibilité. Avec toi, il n'y a plus d'impossibilité. Avec toi, il n'y a plus d'impossibilité. Avec toi, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Wow, vous avez vérifié avec elle. Et ça vous fait quoi? Très content. Ça, c'est une copine. Elle est déjà comme ma soeur. Wow, c'est votre quatrième fois de venir ici. C'est votre quatrième fois de venir ici. Depuis dimanche, quoi. Hein? Depuis dimanche, la romande des pieds. Alors, vous allez aux toilettes. Vous avez vérifié et vos yeux ont vu la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que vous êtes assise, vous êtes parti. Et qu'est-ce qui s'est passé aux toilettes? Ça ne coule plus. Ça ne coule plus. Vous accoucherez à 9 mois. Dieu vient de délivrer une femme d'une fausse couche. Devant toi en direct, à la télé, devant le monde entier, la gloire de Jésus-Christ vient de se relever. Elle vient de se révéler. La même gloire est sur toi. 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 Toutes les œuvres de Satan sont détruites dans ta vie. Je vois ton étoile briller. Si tu me donnes un meilleur amen, ça va arriver. Je vois ton étoile briller. I see your star shining. Et je te vois en haut. And I'm seeing you all. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Dis amen 7 fois, tu rentres avec say ta portion. Amen 7 times and you get back with your portion.